L'état des réserves de sang inquiète le corps médical. Elles sont aujourd'hui en France en dessous du seuil d'alerte, d'où cette campagne, regardez, à laquelle le groupe M6 s'associe. Don du sang, prenez le relais, un mois pour tous donner. Un appel lancé par l'établissement français du sang. François Toujas, vous êtes son président, merci d'être avec nous dans le 1245. Alors pourquoi manque-t-on autant de sang aujourd'hui et pourquoi on a tant particulièrement besoin ? Alors bonjour, évidemment nous manquons de sang pour trois raisons essentielles. Suite au déconfinement, les donneurs se sont moins mobilisés, c'est la première raison. Deuxième raison, nous avons eu une forte augmentation des activités hospitalières qui avaient été réduites pendant la période virémique. Et puis une troisième raison importante est aussi la capacité difficile que nous avons à déployer la totalité de notre offre de collecte aujourd'hui. Ces trois raisons font qu'effectivement nous sommes en deçà du seuil d'alerte. Nous avons ce matin 85 000 poches de sang en réserve. Il nous en faudrait 100 000 pour être bien, 110 000, 115 000 pour aborder l'été correctement. Alors justement, où donner et comment rassurer les Français sur les conditions sanitaires ? Alors, je suis ici au centre de Bichat et je regarde, vous pourrez vérifier qu'il y a la totalité des gestes barrières, les infirmières qui prélèvent, nettoient les lits avant et après chaque don. Nous respectons complètement la totalité des gestes barrières afin que le don puisse se faire dans la plus grande sécurité. Où donner ? Ben donner dans les 120 sites de l'établissement français du sang et puis donner dans la totalité des collectes mobiles où nos équipes, et je les en remercie, vous accueilleront gentiment. Merci François Toujas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'établissement français du sang. Merci à vous.